qu'est-ce que vous faites ici, vous? Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Françoise? Tranquillisez-vous, je suis pas prêt d'y retourner. Non, mais non, mais non, Philippe, pas une balle, c'est drôlement foutu de moi, hein? Mais non, Philippe. Elle m'a pris pour un imbécile, oui ou non? Mais non, attends-moi, ne cours pas, attends-moi. Dis-toi bien, mon petit, qu'une femme ne se moque pas comme ça de n'importe qui. Qui aime bien, châtie bien. T'en vas la cruche à l'eau. Qu'à la fin, elle se casse. Qui va à la chasse perd sa place. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Eh ben, moi, j'ai compris. Mais non, tu n'as pas compris. D'ailleurs, tu ne comprends rien aux femmes. Eh ben, moi, je vous dis que j'ai compris. Mais non, mais les autres sont arrivés comme ça par surprise pour faire une blague à Françoise. Elle voulait pas avoir l'air. Les femmes sont orgueilleuses. Il faut que tu lui parles en tête à tête. Et comment? J'ai trouvé une idée. Tu vas lui téléphoner. Lui téléphoner? Comme ça, personne n'écoutera. Tous les deux, là. Tac, tac. Allez, vas-y. Allez, hop. Françoise, je rêvais trop de vous. Allô, Françoise? Oui, c'est Françoise. C'est Philippe. Encore? Il fallait que je vous parle au téléphone. Devant vous, je perds tous mes moyens. Françoise, je voulais vous dire... C'est pas sérieux, Philippe. Voyons, assez d'enfantillage. Allez, bonsoir. Allô, Françoise, je vous aime. Allô, Philippe? Oui, c'est moi. Oui, tu as appelé Françoise? Je l'ai réveillée, puis elle m'a pris pour un enfant. Mais c'est l'instinct maternel, ça. C'est une femme, bien. Elle t'aime. Hein? Alors, tu vas la rappeler, rappelle-la immédiatement. Allez. Tu crois? Oui, allez. Allô, Françoise? Oui, c'est Françoise. C'est Philippe. Ah, je sais que vous êtes amoureuse de moi. Mais les femmes, c'est orgueilleux. Oh non, maintenant, ça suffit. Mais Françoise, je vous aime. C'est assommant à la fin. Je vous en prie, mon petit vieux, allez dormir. Je rêve trop de vous. Vous allez finir par me faire des cauchemars. Mais enfin, Françoise, je voulais vous dire. Moi, je n'ai qu'une chose à vous dire. Ne m'ennuyez plus. La plaisanterie a assez duré. Bah alors ça. Alors ça, c'est... Oui, c'est Françoise. Ça, c'est très bien. Et ça, c'est parfait. Alors ça, c'est... Oui, c'est Françoise. Ça, c'est le... Et bien ça, c'est le... Allez. Allô? Allô? Monsieur Franco Buzzoni? Oui, c'est lui-même. Ah non, ne quittez pas, je vous passe mademoiselle Françoise Martin. Oui, c'est Françoise. Ah, chère Françoise. Oui, c'est Françoise. Quelle bonne surprise. Oui, c'est Françoise. Oui, c'est Françoise. Oui, c'est Françoise. Oui, mais je vous entends. Je pensais à vous. D'ailleurs, je ne fais que penser à vous. Je suis heureux de vous le dire. Moi, je n'ai qu'une chose à vous dire. Ne m'ennuyez plus. Vous allez finir par me faire des cauchemars. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Moi, je n'ai qu'une chose à vous dire. Ne m'ennuyez plus. Vous allez finir par me faire des cauchemars. Mais Françoise! Oui, c'est Françoise. Mais souvenez-vous, vous m'avez dit... Mais... Rappelez-vous, vous m'avez dit l'autre soir... Vous pleurez? Vous pleurez? Mais oui, vous êtes souffrante. Non, je suis souffrante. Françoise, souvenez-vous. Je vous demandais de m'épouser. Mais oui, mais ça ne marche pas. Enfin, vous souvenez, Françoise. Ça ne marche pas. Attendez, je vous dis, voilà, ça y est. C'est assommant à la fin. Je vous en prie, mon petit vieux, allez dormir. La plaisanterie a assez duré. Mais Françoise! Françoise!